Voilà. Les amis, j'espère vraiment qu'on entend ce bruit. Bonjour à tous les amis, on se retrouve comme promis au manoir rose. Ce manoir qui est assez flippant, je l'admets quand même. Je voulais vous dire que avant de commencer, pour vous, j'ai acheté un bras pour tenir le cadeau. Donc ça fait que je serai plus en galère avec la lampe torche et le cadeau. Et aussi d'autres accessoires qui là, que vous verrez par la suite. Donc ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on va commencer tout de suite cette vidéo. Et allez, on se retrouve dans quelques minutes. Donc les amis, on se retrouve ensemble pour cette nouvelle exploration, cette nouvelle enquête dans ce manoir rose comme je vous l'ai dit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer tout de suite et on va fouiller toutes les pièces. On va regarder un peu ce qu'il y a et essayer de communiquer avec ces esprits. Et comme vous voyez le K2 que j'ai déjà allumé. Il tient avec le bras. Je ne serai plus en bêta avec ça. Donc c'est parti. Bonjour, je m'appelle Mike, je suis enquêteur sur le paranormal. Est-ce que vous pouvez vous manifester s'il vous plaît? Prouvez qu'il y a bien une présence dans ce lieu. Vous pouvez parler à la caméra, déplacer cette porte par exemple, un objet, ou faire du bruit. Et aussi faire fluctuer le K2, le boîtier qu'il y a ici. Vous pouvez le toucher, le faire fluctuer. Donc j'allume ici les amis, parce qu'il fait quand même assez noir. Désolé du bruit. Bon, ici c'est une toilette. Bon, comme je vous disais, c'est quand même assez grand. Et j'espère que cette exploration vous plaira. Et qu'il va se passer des choses. J'aimerais bien, ce serait pour vous. Donc les amis, on va se diriger à la cave directement. Ce que vous voyez ici, c'est la cuisine. Vous pouvez vous manifester, hein. Déplacer un objet ou même faire fluctuer le K2. Ce serait une preuve pour les personnes qui regardent ces vidéos. Oh là là, c'est quoi cette cave? Ça fait peur. Alors c'est la première fois que je vois une cave comme ça les amis. Vous pouvez vous manifester, hein. Prouvez aux personnes que vous êtes bien là. Touchez le K2. N'ayez pas peur. Je suis là pour ça. Vous pouvez même déplacer quelque chose. Excusez-moi, c'est moi, les amis. Allez-y. Manifestez-vous. Il ne se passe rien les amis. Le K2 ne fluctue pas. Donc j'éteins à nouveau. On va monter au premier étage. Et je vous dis, c'est quand même assez grand. Il y a plusieurs pièces. Bon, j'espère que je suis seul. Parce que l'autre coup, quand je suis venu faire des photos, il y avait une personne qui malheureusement se réchauffer et j'ai discuté avec elle qui était très gentille d'ailleurs et je lui ai dit ce que je faisais et elle m'a dit que c'était cool. Donc j'espère vraiment que je suis seul dans le lieu. Vous voyez les amis, vous pouvez faire fluctuer le K2 s'il vous plaît, ou faire du bruit, déplacer quelque chose. Excusez-moi, c'est moi les amis.
chose aussi à terre. Vous pouvez voir. Bon, je sais pas si c'est assez solide. Faire du bruit là, s'il vous plaît, manifestez. Touchez le K2 s'il vous plaît, c'est pour les personnes qui regardent. Moi je l'éteins. Je vous dis, hein, dans les pièces qui font assez noir, j'allume quand même la lampe torche pour vous. Pour que vous puissiez voir. Vous voyez, c'est quand même assez grand. S'il vous plaît, faites fluctuer le K2. C'est pour les personnes qui regardent. Même faire du bruit. Comme je me répète depuis tout à l'heure. En tout cas les amis, j'espère que vous voyez bien par rapport au K2. J'espère que je l'ai bien placé, quoi. Vous pouvez toucher le K2, hein. Alors il y a eu un gros bruit derrière moi les amis. Est-ce que c'est vous qui venez de faire ça là? Excusez-moi, est-ce que vous pouvez faire fluctuer le K2 s'il vous plaît là? Ou déplacer quelque chose? Pour vos personnes que vous êtes toujours parmi nous. Donc en tout cas, vous voyez les amis. Hein. Je fais le tour des lieux pour vous montrer à peu près tout ce qu'il y a. Et je regarde aussi, hein, parce que je n'ai pas exploré ce manoir. C'est pas un grand manoir, mais c'est quand même un manoir assez grand, quoi. On va pouvoir dire qu'il n'est pas comme les autres. Je trouve qu'il est quand même assez étrange. En tout cas les amis, si ça vous plaît, n'hésitez pas, comme je vous dis dans chaque vidéo exploration. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Hein. Oui les amis. Oups. En tout cas, j'espère qu'il n'y a personne. Donc il y a ce grenier. Et encore par là. On va passer par là. Je sais pas si vous voyez là. J'ai un peu allumé. Excusez-moi, il n'y a personne. Hein. S'il y a quelqu'un, vous pouvez le dire, hein, je fais juste une vidéo. Vous avez entendu les amis. C'est vous, merci. Est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Et toucher le K2. Ça prouvera personne. Oui, il y a une casserole là-bas à terre. Vous pouvez la déplacer même si vous voulez. Ou même la canette, hein, la faire rouler. Faites ce que vous voulez, devant la caméra, s'il vous plaît. Bon, les amis. Je vous avoue que c'est quand même un peu difficile avec le bras. Est-ce que vous pouvez toucher le K2, s'il vous plaît? Pour vos personnes que vous êtes toujours dans ces lieux, il y a bien une présence. Alors les amis, je prends 2 secondes la caméra comme ça pour la remettre parce que je vous avoue que c'est quand même lourd. Alors il y a eu du bruit. Bon, j'espère en tout cas qu'il n'y a personne. Vous
Ouais, faut manifester, hein. Je me répète, mais faites-le devant la caméra, s'il vous plaît. Alors là, il est bien bon. Allez, les amis. J'ai pas regardé le cadre, hein, les amis, mais en revisionnant, je vais regarder. Je sais pas s'il a fluctué ou pas. Donc c'est quand même assez lourd, je reprends un peu le cadus, ça fait du bruit. Désolé, je reprends un peu pour mon bras parce que c'est quand même lourd. Ouais, c'est parti les amis, on va descendre. Donc ici, je ne sais pas. C'est encore une deuxième câble. Faire fluctuer le cadet s'il vous plaît. Bon, il fait quand même assez jour, donc c'est bon. Allez-y, même déplacer quelque chose. Je me répète, mais vous pouvez le faire. Bon, les amis, en tout cas, il ne se passe pas grand-chose pour l'instant. N'oubliez pas que je reviendrai de nuit. Mais je peux vous dire que c'est un endroit quand même assez flippant, vu toutes les pièces qu'il y a. Ah, une salle de bain. Bon, le fou, elle n'était pas comme ça, cette salle de bain. Elle était bien placée. Vous pouvez vous manifester, hein. Je vous l'ai dit les amis, dans les endroits assez sombres, j'allume la lampe torche pour vous. Parce que je ne sais pas si vous voyez assez bien. Alors il y a ce grenier. Je reprends un peu le souffle. Par contre, l'escalier fait quand même assez peur, les amis. Je vous avoue, regardez les trous qu'il y a dans l'escalier. Est-ce qu'il y a une présence ici, s'il vous plaît, là ? Est-ce que vous pouvez vous manifester ? Vous pouvez déplacer quelque chose ou faire du bruit, hein ? Allez-y ! Prouvez que vous êtes bien ici, dans ces lieux. Excusez-moi les amis, c'est moi. Alors je sais pas ce qu'il y a ici, je sais pas s'il y a un truc. En tout cas c'est pas très solide, donc je vais redescendre les amis. C'est pas très solide. Hein. Oh là 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 là. Les amis. Allez. Un peu ailleurs. Parce que ce n'était pas très solide. En tout cas, vous voyez les passages et tout. J'espère que ça vous plaît, cette vidéo, cette exploration. Bon, deux jours, je vous le dis, hein, même s'il ne se passe pas beaucoup de choses, ou en revisionnant les vidéos, comme vous le savez, je pourrais entendre des bruits que je n'aurais pas entendus ici même. Et je peux vous dire que de nuit, il se passe plus de choses. Hein. La nuit, comme je vous le dis dans plusieurs enquêtes, à chaque fois, il se passait plus des choses la nuit. Bon, s'il vous plaît, là, manifestez-vous. Faites fluctuer le K2. Vous faites du bruit, déplacez quelque chose.
c'est au moins de communiquer avec moi. Prouver aux personnes que il y a bien une présence ici. Vous ne pouvez pas déplacer ce qu'il y a à terre là-bas. Allez-y. Même s'il vous faut de l'énergie, prenez l'énergie de mes lampes. Hein. Essayez de le déplacer, s'il vous plaît. Ah, j'ai entendu du bruit, les amis derrière. Bon, je vous dis, c'est quand même assez risqué de filmer ici. Il y a une entreprise pas loin, juste à côté. Et il y a des maisons en face. Donc c'était très difficile d'accéder à cet endroit. Il y a un bruit là-bas, je me dirige là-bas les amis. On va redescendre. Déplacer quelque chose devant la caméra, s'il vous plaît. On va redescendre à la cave, les amis. Fait quand même assez noir. Peut-être qu'il pourrait se passer quelque chose à la cave. Bon, excusez-moi, je suis pas là pour vous déranger. Comme je vous l'ai dit, je suis enquêteur. Je suis là pour prouver aux personnes que les esprits sont toujours avec nous. Donc est-ce que vous pouvez faire du bruit ou déplacer quelque chose, s'il vous plaît là? Allez-y. Essayez de déplacer la porte devant moi. Allez-y. Couvrez personne, s'il vous plaît. Vous faire fluctuer le K2, tout au moins. Bon, les amis, il ne se passe pas grand chose. Je verrai, excusez-moi, c'est moi, je verrai en revisionnant les vidéos. Comme je vous dis, ça se peut que je n'ai pas entendu des bruits ici même, mais que je les entends qu'en revisionnant les vidéos. Donc en tout cas, j'espère que cette exploration vous aura plu. Même si c'est 2 jours, c'est pour au moins vous montrer les lieux, que vous voyez un peu mieux. Et aussi, on explore les lieux ensemble. Ce que je regarde pas avant, comme je vous le dis les amis. On regarde ça ensemble. Donc je reviendrai de nuit, comme promis. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez. Likez, partagez et dites-moi en commentaire ce que je n'aurais pas entendu ou vu. Je me répète, mais faites-le, c'est très important pour les enquêtes. Donc les amis, on va se retrouver pour la prochaine vidéo. Ciao.